Le Smart Visa. Alors, on en parle beaucoup de ce Smart Visa. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le Smart Visa. Est-ce que le Smart Visa est adapté aux digital nomades? Et si ce visa n'est pas adapté, ben, quel visa pour les digital nomades? Ben, bonjour à tous. Nous sommes pas loin de la maison. Les enfants sont toujours en vacances pour l'instant. Donc, je m'éloigne au minimum. Et mon épouse, ben, elle pourrait aller vivre en Turquie tellement elle bosse fort. Donc voilà, donc je m'éloigne un minimum. Une fois que l'école va reprendre, je pourrai aller de nouveau dans des endroits un peu plus éloignés dans la province et vous faire découvrir d'autres lieux. Alors le Smart Visa, c'est un visa qui est très récent. On en parle depuis quelques années, 3-4 ans. C'est vrai que c'est le rêve pour les digital nomades en se disant si je chope ce visa, waouh, c'est génial. Je peux rester en Thaïlande parce qu'apparemment, ce serait un visa qui est dédié pour les digital nomades. Alors, c'est vrai que le Smart Visa est très intéressant. C'est à mon avis le nec plus ultra au niveau des visas. La crème des crèmes. Et à mon avis, il n'est pas si accessible que ça pour différentes raisons. La première raison, quand on va voir un peu les avantages de ce Smart Visa, bah déjà ce visa, il peut être valable jusqu'à 4 ans. Imaginez un visa valable 4 ans, quel régal. En plus, lorsque vous disposez de ce visa, vous n'êtes absolument pas obligé de faire le pointage tous les 90 jours. C'est juste un pointage une fois par an. Donc c'est vrai que on en rêve, hein, un pointage une fois par an. Et en plus, c'est au one-stop service, c'est sur rendez-vous. Donc vous en avez pour 15 ou 20 minutes et après vous ressortez. Vous êtes tranquille. Ce visa est automatiquement inclus comme un visa multiple entrée, puisque vous, si vous devez sortir, rentrer régulièrement du pays, vous n'avez absolument pas besoin de faire de re-entry visa. Mais surtout, ce qui fait rêver, c'est que ce Smart Visa vous permet de travailler sans permis de travail. Voilà, c'est une des raisons qui fait rêver. Vous avez le Smart Visa, vous n'avez pas besoin de permis de travail. Ça va même encore plus loin. Si vous êtes officiellement marié, regardez-moi le beau lézard là. Je vais essayer d'approcher un petit peu. J'espère que vous le voyez bien. Bon, on va le laisser tranquille. Enfin bref, je vais revenir un petit peu à ma vidéo. Donc si vous êtes officiellement marié, parce qu'il faut savoir, le Smart Visa en fait est divisé en 5 catégories. Et le fait que vous obteniez le Smart Visa, votre épouse ou votre mari peut également disposer de ce Smart Visa, et également vos enfants disposent du Smart Visa, et ça leur donne même le droit de travailler sans permis de travail dans un métier qui n'est pas interdit aux étrangers. Et pour les enfants, ben, ils peuvent travailler s'ils ont au minimum 18 ans. Donc vous voyez, ça fait vraiment rêver un tel type de visa. Alors ce visa n'est pas fait, j'ai pris un papier quand même. Hein. Ce visa n'est pas fait pour tout le monde, enfin toutes les catégories d'emploi. Alors j'ai pris mon petit papier, je vais l'ouvrir. Alors c'est réservé à certaines catégories d'emploi. Je vous les lis rapidement. Alors, tout ce qui est prochaine génération de véhicules automobiles, nouvelles technologies et de production alimentaire, agriculture et biotechnologie, automatisation et robotique, aviation et logistique, biocarburant et produits biochimiques, centre médical, électronique et intelligence artificielle, tourisme médical et le tourisme de bien-être, gestion de l'environnement et les énergies renouvelables, développement de services et technologies, et enfin le numérique. Et je pense que c'est vis-à-vis de ce numérique que les gens disent ça y est, c'est ouvert pour le digital nomade, le Smart Visa est ouvert pour le digital nomade. Alors, calmons-nous un petit peu, je vous ai dit qu'il y avait 5 catégories. Donc à la catégorie O, dont je me souviens, c'est effectivement cette catégorie qui est réservée aux époux, aux femmes et aux enfants du titulaire du visa Smart initial.
Mais les quatre autres catégories, en fait, il y a deux catégories du Smart Visa qui sont faites pour des employés et deux catégories du Smart Visa qui sont faites pour des investisseurs. Alors déjà à la base, pour les employés, si vous êtes engagé dans un des secteurs d'activité que je vous ai décrit, à ce moment-là, il faut un minimum, selon la catégorie et selon les années d'expérience que vous avez, soit un salaire minimum de 100 000 ou un salaire minimum de 200 000 bahts. Et puis ça varie aussi si vous avez moins de 10 ans d'expérience ou plus de 10 ans d'expérience. Dans la catégorie des investisseurs, je vous conseille d'aller visiter, j'ai fait un article complet sur le Smart Visa. Là, je vous donne vraiment les grandes lignes parce que là, il y en a pour une demi-heure à lire l'article. J'ai même fait une foire aux questions qui est très détaillée. Donc, si vous voulez tout savoir sur le Smart Visa, vous regardez dans la description, sous la vidéo, je vous mets le lien de l'article. L'article de mon blog est réservé aux abonnés, bien sûr. Et là, effectivement, pour les investisseurs, ça peut être un minimum de 5 millions d'investissements ou 20 millions d'investissements. Il y a aussi des sous-catégories du Smart Visa pour les startups. Et là, on tombe plutôt sur des visas de 6 mois qui peuvent être renouvelables, mais toujours sans permis de travail. Il faut savoir aussi, par exemple, que le renouvellement de visa, pas le renouvellement, mais il faut faire le pointage tous les ans. Et tous les ans, il faut payer 10 000 bahts. Voilà le prix. Alors, il y a des gens qui vont s'enthousiasmer, mais il faut regarder aussi. Ça, je décris tout dans l'article. C'est très important pour les gens. Parce que des gens qui me disent « oui, c'est payant ». Les abonnements sont très accessibles. En plus, c'est quand même des articles. Il y a 107 articles actuellement, très pointus sur tout ce qui est législation, visa, culture, actualité. Donc, c'est vraiment un truc qui est dédié à ceux qui veulent s'expatrier. Alors, si vous avez un projet d'expatriation, que vous n'avez pas les capacités de payer un petit abonnement, ou pas l'envie, si vous avez des problèmes de radinisme, ça c'est autre chose. Ben, si vous avez déjà des problèmes d'argent, que pour payer un petit abonnement qui est relativement minime, parce que ça paye, c'est surtout pour me soutenir avant tout. Donc, si vous n'avez pas les moyens, ça va être dur de vous expatrier, parce que l'expatriation en Thaïlande, il faut quand même un minimum de finances. Ou alors être sûr d'avoir un boulot qui vous attend quand vous arrivez. Donc voilà, là, quand vous allez, si vous lisez l'article, vous verrez aussi, ça on n'en parle pas, parce qu'on parle tout. C'est vrai que quand vous regardez les blogs, les articles ravageurs qui parlent, ça y est, le Smart Visa, bientôt ouvert pour les digital nomades, j'ai déjà des gens qui m'ont contacté, qui ont arrêté leur création d'entreprise parce qu'ils attendent le digital nomade. Ils disent, voilà, bientôt, je vais pouvoir bosser avec le digital nomade, donc j'arrête tout. OK, très bien. Bon, il faut savoir aussi que il y a des conditions à remplir. Vous êtes dans une des catégories, vous devez déposer un dossier. Et pour voir si votre dossier peut être accepté, il y a quand même des critères assez exigeants. Même si vous regardez au niveau de la bioagriculture, robotique, il faut effectivement que votre projet, il y ait une certaine surface de terrain, que ce ne soit pas n'importe quelle agriculture. Il faut aussi qu'il y ait une certaine technologie qui soit mise en place. Donc, il ne faut pas croire que ça y est, je rentre dans le cadre numérique, par exemple. Ça, moi, je travaille dans le numérique, donc j'ai droit au Smart Visa. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a un dossier, un projet professionnel, il y a des preuves à apporter. Entre autres, assurance. Pour obtenir votre Smart Visa, il y a l'obligation d'avoir une assurance qui vous couvre au minimum à hauteur de 500 000 bahts. Si vous n'avez pas cette assurance, on ne vous donnera pas le visa. Donc, assurance obligatoire pour les Smart Visa. Donc, on va en venir justement à ce truc-là. Je vais répondre à cette question. Est-ce que les digital nomades ont droit au Smart Visa ? Alors, mon opinion, s'il n'y a pas de changement actuellement, mon opinion, c'est non. Et même s'ils font des modifications, je crois que les critères d'admission seront tels que ce sera impossible pour beaucoup de remplir les conditions d'acceptation du Smart Visa.
dans le cadre du digital nomade. Parce qu'on a vu il n'y a pas longtemps un reportage sur les digital nomades où on montrait un groupe sur une île, là. C'est un resort, j'ai vu un petit reportage là-dessus, le resort tenu par un francophone. Et il y a des tas de francophones, peut-être certains anglophones, qui louent des chambres là-bas. Ce sont quasiment tous des digital nomades. Et ils font leur activité sur place, ils s'entraident. Alors si vous vous posez la question de ce qu'ils ont comme visa actuellement, je parie que la grande majorité, ils fonctionnent avec l'amnistie de visa qui est en route actuellement suite au Covid. C'est vrai que les autorités ont donné des amnisties de visa renouvelables tous les 2 mois. Ils viennent d'annoncer que c'est valable jusque fin juillet. Donc ça veut dire que fin juillet, ceux qui vont repostuler pour une amnistie de visa vont de nouveau être bons jusque fin septembre. Donc voilà, il y a beaucoup de gens actuellement qui restent en Thaïlande, soi-disant à cause du Covid, ce qui est faux. C'est parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer chez eux, parce que maintenant il y a suffisamment de vols. À la rigueur, même certains pays deviennent plus sécurisés que la Thaïlande suite à la troisième vague. Mais bon, ils sont là. Et comme on voit, ils font du job, ils en profitent. Ils font du travail par Internet. Et c'est vrai que pour l'instant, les autorités sont très laxistes par rapport à ça. Il y a eu le reportage. Ce que font les gars, là, qui disent ouvertement, je suis digital nomade. C'est vraiment le pays idéal pour le faire. Oui, si vous avez un visa adapté avec un permis de travail. Donc si les autorités voulaient vraiment appliquer les règles actuellement, en période de Covid, ils feraient une descente dans le resort en question. Et là, ils pourraient embarquer toutes les personnes qui étaient présentes dans le reportage. Si bien sûr, elles n'ont pas sauf si bien sûr, elles ont les visas et permis de travail qui sont adaptés à leurs conditions. Mais j'ai des doutes quand même, j'ai des doutes. Là, je tourne un petit peu en rond, on est sur les bords du Mekong. Un petit parc comme ça, qui est juste un coude du Mekong où il y a des petits rapides. Donc voilà, je vais ma réponse aux gens qui pensent que le Smart Visa va être adapté au digital nomade, je vous confirme. De mon point de vue, non, vous n'y aurez pas accès. Exception peut-être avec des gens qui viendront avec un projet, mais là, ils ne seront pas employés, ils seront dans le cadre d'un investissement. Ça veut dire investissement de 5 ou 20 millions de baht minimum. Et il n'y a pas que l'argent qui compte. Il faut également que le projet prouve que c'est un projet qui rapportera à la Thaïlande. Si vous débarquez avec un projet de, de vos ventes de vidéos de formation, il y a peu de chances que vous soyez accepté. Par contre, supposons qu'un site, une application comme Agoda n'existe pas, vous arrivez avec un tel projet en disant « voilà, j'ai un tel projet dans le secteur numérique, création de promotion d'hôtels, de réservations en ligne, patati patata. » Donc là, effectivement, ça profiterait à la Thaïlande et il vous dirait « banco ». Voilà, quand on regarde les digital nomades, il y en a beaucoup, ils fonctionnent avec des blogs, ils fonctionnent avec des formations où ils font des cours en ligne. Mais bon, c'est juste un outil. Et puis bon, le concept du digital nomade, c'est les gens qui vont à gauche, à droite, ils voyagent, ils découvrent, ils partagent. Donc là, on parle d'une sédentarisation. Donc, laissez tomber pour le Smart Visa digital nomade, ça ne fonctionnera pas. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des digital nomades en Thaïlande, comment font-ils? Déjà, la grande majorité travaille illégalement, totalement illégalement. Ils n'ont pas de permis de travail. Alors, ils prennent la petite option, c'est le fameux visa étudiant. Ils prennent un visa étudiant, ils vont à leur cours, par exemple, je crois que ça doit être 4 heures par semaine. Donc ils ont largement le temps ensuite de bosser chez eux. Ils sont dans leur appartement, personne ne les voit, dans leur studio, dans leur chambre.
et ils travaillent en ligne, voilà. Ils ont le visa étudiant pour rester et ils travaillent illégalement, sans permis de travail, puisqu'ils sont chez eux et qu'il y a peu de chances qu'il y ait un contrôle. Sauf dénonciation, sauf traces qui sont visibles sur l'Internet, c'est aussi ça le danger. Lorsque vous bossez, ben vous laissez des traces sur Internet. Et si on peut prouver que vous avez des revenus, que vous restez avec un visa, donc que vous travaillez depuis la Thaïlande avec un visa qui n'est pas adapté, là bonjour les dégâts. Alors il y en a d'autres aussi qui optent carrément pour le visa élite. Un visa élite, ça vous permet de rester, c'est une sorte de visa touristique VIP qui offre quelques avantages. Ça vous permet de rester effectivement, pour vous payer 600 000 bahts et vous avez un visa qui est valable pour 5 ans. Maintenant, vous pouvez payer 2 millions et avoir un visa qui est valable pour 20 ans. Mais bon, on ne sait jamais, pour certains, ils ne savent pas de quoi sera fait le lendemain. Donc, par période de 5 ans, renouvelable, c'est mieux. Ça, c'est un jour où vous voulez changer de pays, ou vous vous mariez et puis vous pouvez basculer sur un autre visa moins contraignant ou moins excessif financièrement, ben à ce moment-là, vous n'êtes pas bloqué pour 20 ans, quoi. Voilà comment fonctionnent un petit peu les digital nomades en Thaïlande. Alors si vraiment vous voulez avoir une situation stable, comme digital nomade, parce que là vous n'êtes plus dans le digital nomade, vous êtes plutôt dans le cadre d'une activité numérique, y a moins cher de toute façon que le Smart Visa. C'est soit de vous créer une société normale, avec les contraintes qui y sont liées. La plus grosse des contraintes, c'est effectivement d'avoir des partenaires thaïlandais majoritaires et avoir un permis de travail qui vous oblige à avoir employé 4 employés thaïlandais au minimum. Alors il y a certains cabinets d'avocats ou cabinets comptables qui font des combines, qui vous trouvent des hommes de paille. Oui, c'est une solution, mais ça vaut risque et péril. Hein. Si un jour il y a un contrôle, on veut voir vos associés thaïs, sont des hommes de paille. On veut voir vos employés, il n'y a pas d'employés. Mais vous avez quand même dû les déclarer ou déclarer un salaire que vous ne versez pas, donc que vous déduisez de vos bénéfices. Donc là, ça risque de coûter cher à partir du moment où il y a des faux employés, des fausses déclarations, au moment où la comptabilité est trafiquée. Donc attention quand même, c'est vrai que c'est la solution de facilité. Mais si un jour les autorités décident de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, dire maintenant il y en a marre, ils l'ont fait à une époque. Hein. À une époque, il y avait, vous savez, le concept des sociétés dormantes. Les gens créaient une fausse société. Enfin, une société, oui, ils l'ont créée, mais avec des hommes de paille. Ils ne demandaient pas de permis de travail, donc à ce niveau-là, ils n'avaient pas de problème au niveau des employés thaïlandais. Ils avaient un visa comme investisseur avec des hommes de paille. Et une fois que la société était créée, ils achetaient un terrain au nom de leur société, donc dont ils tiraient les ficelles. Mais c'était une société dormante. Alors les autorités ont accepté ça pendant des années. Et puis un jour, ils ont dit, maintenant basta, c'est fini. Et là, vous en avez profité quelques années. Et le jour où ils décident de changer les règles, là, vous êtes un peu dans la merde, quoi. Donc voilà, créer des sociétés bidouillées, oui, c'est une solution. Mais sachez que c'est une solution temporaire et qu'un jour, le risque de bâton risque de vous faire très mal. Alors, une autre possibilité, c'est de passer par créer une société via le BOI aussi. Donc, soit vous créez une société classique avec les contraintes. Si vous pouvez les respecter, c'est très bien. Sur le BOI, c'est plus intéressant pour moi que le Smart Visa parce que l'investissement n'est que de 1 million au lieu de 5 millions au minimum pour le Smart Visa. En plus, ce n'est pas de l'argent que vous devez prouver et bloquer. Au moins seulement 25% de cette somme. Vous pouvez avoir certains avantages fiscaux et non fiscaux. Mais, par exemple, dans les avantages, c'est vous n'êtes pas obligé d'avoir des partenaires
des employés thaïlandais pour l'obtention de votre permis de travail. Enfin voilà, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je ne vais pas y revenir. Donc c'était plutôt vous parler des solutions légales et non légales pour les digital nomades. Donc soit le faux visa est combiné avec ça, ou soit vous faites les choses en règle avec toutes les contraintes qui y sont liées. Mais croyez-moi que pour le smart visa, arrêtez de rêver là-dessus. Je suis désolé d'en décevoir certains, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui s'accrochent, hein, en se disant dès que la pandémie va être finie, je vais faire ma demande de smart visa. Ben, sachez que en tant que société, vous allez être obligé de prouver 5 ou 20 millions de bahts en tant qu'investisseur. Donc là, ça va déjà échauder pas mal de personnes et que vous allez être obligé d'avoir un programme, enfin un projet qui rentre en ligne de compte pour la Thaïlande, qui favorise la Thaïlande et pas non uniquement votre projet personnel. Voilà, je pense avoir fait le tour, comme d'hab. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Vous avez sans doute vu, je fais l'effort de répondre à chacun des commentaires de manière personnalisée. Et comme je fais l'effort de ne plus perdre mon temps avec les trolls, donc les commentaires débiles, perdez plus de temps avec ça, je les supprime systématiquement. Sur ce, je vais préparer à manger pour mes fils. Je vous dis à très bientôt. Salutations tropicales des bords du Mékong. Là, on est passé vraiment tout au bord. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!